Salut à tous, si jamais vous avez mal aux épaules, on a la solution à laquelle vous n'avez peut-être jamais pensé. Body Reboot. C'est une solution qui est en lien avec le fait de baisser les épaules. Est-ce que vous le saviez ce truc? Et on vous montre comment faire avec Stéphane, notre élève qui en est à sa 4e séance seulement. Donc, avoir les épaules hautes, ça vous fait contracter inutilement les muscles de la région cervicale. Ça les presse, ça les tasse, ça les destroy. Et donc si en plus elles sont en rotation interne, c'est-à-dire tombante si vous voulez, ça va tordre les tendons, les ligaments, les muscles qui normalement sont censés être alignés. Plus vite on construit en dessous, plus vite on aura une chance de pouvoir baisser les épaules. Voilà, notre boulot ça va être de baisser les épaules, sinon on n'a pas cette connexion. Voilà, on n'a pas de connexion. Et donc plus vous arrivez à engager votre dorsale, et plus ça veut dire que votre épaule arrive à être basse. Et plus votre dorsale est engagée, et plus vous allez le muscler. Donne-moi ça, ici, ça commence. Le coude pas derrière. Avant le coude. Vas-y, vers le sol, là, et tu baisses l'épaule avec, juste l'épaule, pas le corps, pas le corps. Voilà, ça c'est le côté faible. Allez, allez, on fait comme on peut. 2 et 1, ok. Ah non, non, j'ai entendu. Voilà, j'ai entendu, appuie, haut du buste vers l'avant. Allez, c'est parti. Et tu baisses l'épaule, oui, vous voyez, c'est jusque-là qu'on a besoin. Aspire les abdos. Il faut qu'on va le dorsal jusqu'en bas, avec la taille. Ouais, allez, lâche la tête. Oui, on le, tu quittes. Oui, encore. 3, là, 2 et 1. Et donc, résultat des courses, vous allez vous retrouver avec un dos fort, fonctionnel, musclé, des cervicales étirées et dégagées. Dure la vie, hein. Allez, salut! N'oubliez pas de vous abonner pour avoir plus de vidéos comme celle-ci. Ciao! Body Reboot.